Dans notre projet, tu peux venir regarder le boîtier. Le voilà qu'on a mis ici. Donc ça c'est le boîtier de captation. Donc tel que c'est fait pour le moment, c'est que le projet est dans le boîtier et le patient a son boîtier. Bon, on peut le poser quelque part. Nous sommes encore en train de réfléchir sur ce qu'on va faire. On met les capteurs sur lui. Le programme est déjà chargé dans la carte. Et au niveau de la réception, ça c'est le boîtier de réception ici. Tu peux aussi regarder. Donc voilà. Il est placé, c'est le boîtier de réception qui est connecté sur la machine. Et là nous avons le capteur 1 et le capteur 2. Vous voyez, ça va toujours s'afficher capteur 1, capteur 2, capteur. Et c'est les données qu'on recueille là-bas qui sont affichées ici sur le moniteur, et nous avons fait récupérer les données analogiques que nous avons converties, nous avons mis dans un tableau, nous avons envoyé, nous les avons reconverties et en fait nous les affichons là. Ça c'est, nous sommes rendus. Mais là pour le moment on utilise encore l'interface de Arduino. Mais nous, dans notre projet, nous avons proposé faire nous-mêmes l'interface. On fait ça.